le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, ben, je suis pas du tout dans mon cadre habituel. J'ai un décor complètement différent en arrière de moi. Je suis présentement au chalet. Un petit voyage que j'ai décidé avec mon amoureux et quelques-uns de mes amis de me permettre. Donc, vous allez pouvoir profiter de la vue avec nous du chalet. On est au lac supérieur, au Mont-Tremblant. Donc, je sais pas si vous voyez derrière moi les superbes montagnes qu'il y a derrière moi, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous faire profiter. Aujourd'hui, je vous propose un petit vidéo des produits que j'apporte avec moi ici au chalet. J'ai pas apporté ma collection entière de produits, mais j'ai décidé de vous montrer un peu les produits loges que j'ai décidé d'apporter avec moi, puisque nous avons accès à des super de grands bains, on a accès même à un spa, sauna, tout ça, des belles grandes douches. Donc il fallait que j'apporte certains produits avec moi pour bien en profiter et bien relaxer. Donc on commence tout de suite. Je commence immédiatement avec mon éternel. Vous l'avez vu souvent, c'est mon Celsianix. C'est devenu un must. C'est vraiment devenu un must pour moi. J'en ferai pas une review. Si vous voulez voir un peu la review que j'ai fait de ce produit-là, ben, il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai apporté mon rêve d'alisseur échappé pour le tester quelques fois encore. Je trouve que c'est un produit qui est quand même bien. Donc, je vais vraiment faire une review plus tard. Donc, restez attentifs à ceci. Ensuite, j'ai mon shampoing solide. Mais contrairement au shampoing que je vous avais montré, je n'ai pas encore essayé Godiva. Par contre, j'ai essayé Genièvre Géniale, si je dis bien le nom. Celui-ci est à la lavande et au baie de Genièvre. Je sais pas si je peux vous le montrer. Il est encore mouillé. Malheureusement, il ressemble à ça. J'ai essayé une fois, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, ce que j'ai apporté côté shampoing, j'aime s'acheter, bien sûr, j'ai mon Genièvre, mon Godiva, que j'ai pas encore essayé, mais que j'ai bien hâte d'essayer, que j'ai le goût de vraiment essayer ici au chalet. Ensuite, j'ai un autre shampoing solide. Oui, je me suis lancée là-dedans, je suis vraiment devenue accro et c'est vraiment intéressant. Le shampoing Karma. Juste pour l'odeur, ça valait vraiment, vraiment, vraiment la peine. Par la suite, je vais vous montrer les savons. J'ai apporté mon savon Miranda, que j'utilise beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer la partie qui n'est pas utilisée, qui n'est pas dans ma douche. Je l'ai coupée en deux, parce que je trouvais que c'est partie d'économie, parce que je vais l'utiliser le plus longtemps possible. Puisque j'adore l'odeur, j'ai apporté mon Miranda avec moi. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble mon savon Miranda actuel, ben, il est très glissant, attention. J'ai utilisé ce matin, donc il est tout petit, il est vraiment fondu, malheureusement. Mais c'est la vie d'un savon, n'est-ce pas? Par la suite, j'ai apporté un autre savon, parce que je vais le faire essayer aussi à mes amis. C'est Sultana. Sultan du savon, que vous avez vu maintes et maintes fois, que j'ai pas encore utilisé, parce que j'utilise pas de savon à la fois. Ce que j'ai apporté aussi, j'ai apporté un gel douche, et vous devinez sûrement lequel, c'est mon dernier acheté, c'est Training Man. D'ailleurs, j'en offre une version minuscule de 100 ml à mon ami pour son anniversaire. Elle va être super contente, j'en suis certaine. Par la suite, je vais vous montrer la bombe pour le bain que j'apporte, c'est feu de Bengale. Je ne l'avais pas encore utilisé, mais j'ai envie vraiment de l'utiliser au chalet. Puis faire une capture aussi au chalet de à quoi ça ressemble. Sinon, côté bain, j'ai apporté mon réconfortant. Mais mon réconfortant est un petit peu magané. C'est fait utiliser plusieurs fois, donc il ressemble à ça maintenant. Ça sent vraiment bon, j'ai vraiment hâte d'utiliser une autre fois. Par la suite, un autre pain pour le bain que j'ai apporté, parce que, bon, je prévois prendre des très bons bains là-dedans. C'est Dorothée, je ne l'avais pas encore utilisé beaucoup, hein. Mais mon deuxième Dorothée est encore dans ma collection, il fallait que je l'utilise. Dernier petit produit loge que j'ai apporté avec moi, puis que je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça, c'est ma barre de massage Pêche Mail.
Ma barre de massage pêche-mère est rendue minuscule, ok? Elle a vraiment été utilisée, on voit presque plus la forme. Et ça sent l'été. Puis même si on est au début d'automne, au mois de septembre, je trouve que c'est vraiment génial, puis ça relaxe énormément, puis ça permet de décompresser. Puis je l'utilise aussi comme lotion. Donc, il y a multiples usages. Et bien voilà, c'est déjà tout pour les produits-là que j'ai apportés au chalet. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine!